Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver ce soir encore lundi pour notre émission Sportez-vous bien. Vous le savez, c'est tous les lundis de 20h à 20h45 avec toutes les disciplines qui se sont déroulées pendant le week-end, donc le football, le basket, le hand, pratiquement tout. Mais ce soir, nous allons parler uniquement de football puisque c'est uniquement le football qui a repris. Et c'est avec mon ami Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir Clément. Ça allait bien? Comme une reprise qui revient petit à petit. Donc, on est heureux de revenir ici. Et puis, des invités sur notre plateau, comme d'habitude. Ce soir, nous avons la chance de recevoir des responsables de l'UFOLEP, Madame Vincent, Laurence Vincent, membre de l'UFOLEP et référent Turning Baton. Bonsoir, madame. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec à votre côté, Ezekiel Mbeni, le délégué départemental de l'UFOLEP. Bonsoir. Bonsoir. Donc, vous restez avec nous, on y revient. Permettez-moi, avant de commencer, de remercier Manuela et Grégory pour avoir préparé cette émission pour nous, et puis aux téléspectateurs qui nous regardent depuis le début de notre émission. Alors, Philippe, on commence par le football. Oui, c'était puisque... la Coupe de France, le quatrième tour. Oui, quatrième tour donc, de la Coupe de France, donc, qui a donné résultativement. Donc, l'Essor s'est qualifié au dépens du CO Trainer 4 buts à 1. Le Golden Lion au dépens du Golden Star 4 buts à 2. Donc, le Stade Spiritain a dominé le 16 Casfield sur score de 6 buts à 3. Le 16 Vauclinois s'est qualifié au déprimant de l'émulation à la suite de l'épreuve des tirs au but qu'il a remporté 4 buts à 1 au bout du temps réglementaire et le score était de buts partout. Et enfin, l'US Robert a éliminé la CV après, donc dans un débit robertin, 3 buts à 1. On va aller voir le résumé du match Golden Star, Golden Lion qui s'est déroulé au. Sous la tirée de Rivière Salée. Allez, 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 allez
Très belle équipe et puis comme je dis on avait la priorité sur le championnat donc je pense que c'était un match qui allait nous permettre de travailler donc c'est chose faite et puis ça nous permet aussi de voir à quel niveau on se trouve donc il y a encore du travail à faire donc il y a encore des réglages à faire mais je pense qu'on a un groupe pour travailler, on a un groupe pour monter encore le niveau donc on a fait trop d'erreurs aussi individuelles donc on a payé cash. Et puis malheureusement, on se fait sortir, mais on regarde le contenu. Donc le Golden Nine, il n'y a pas photo, mais quand même, je pense que c'est un groupe qui a encore de la marge de progression. Donc c'est à nous de faire en sorte de rebondir tout de suite la semaine prochaine contre l'US River. L'équipe du Golden Nine est une équipe jeune et qui est très virulente, qui a un jeu qui tournait vers l'avant, qui nous a fait mal aussi. Par ses percussions. Maintenant, on aurait pu quand même et dû tuer le match. C'est le petit reproche qu'on peut se faire, puisqu'on leur a toujours permis de vouloir revenir au score. Donc, qualification acquise, c'est le plus important. Et on va rentrer dès la semaine prochaine dans une gestion très compliquée. Et il faut qu'on soit le mieux que possible armé pour affronter tous ces matchs qui arrivent. Voilà, donc victoire et qualification du Golden Nine face au Golden Star, 4-2. Philippe, la suite du programme de ces matchs. Effectivement, donc le quatrième tour se prolonge mercredi à partir de 20h. L'Inter de Sainte-Anne recevra donc l'Aiglon au Diamant. Le RC Rivière-Pilote recevra donc la Samaritaine à Rivière-Pilote. Et le match entre le RC Saint-Joseph et le club Célien se déroulera au François. Merci Philippe. Alors, on revient avec nos invités. Ezekiel Mbeni, l'UFOLEP représente quoi exactement ? FLEP, c'est une fédération multisport. Donc, nous sommes basés à la Martinique depuis 1950. Donc, l'objectif de l'UFOLEP, de manière générale, c'est de rendre accessible le sport à tous à moindre coût. Donc après, nous avons notre pôle sport-éducation avec les activités fédérales traditionnelles, le football, la course en stade, le cyclisme. Nous avons aussi deux écoles labellisées moto. On a aussi du jet ski. Et cette année, nous avons l'objectif de développer, de redévelopper, redynamiser notre discipline, le twing bâton. Nouvelle activité, le pompon. Donc ça, c'est notre plan de relance. Donc dans ce cadre-là, on va pouvoir développer donc cela. Ah, le twinning bâton, donc Madame Laurence Messin, elle est déléguée, référente twinning bâton en Martinique.
Où en est cette discipline? Alors du coup, on va faire un plan de relance en Martinique. Et du coup, moi, en tant qu'animatrice officielle et formatrice, je souhaiterais donc développer le twirling bâton, la nouvelle activité pompon et la gymnastique artistique. Et pour cela, je vais proposer d'accompagner les associations qui sont affiliées à l'UFOLEP depuis l'an dernier, de me déplacer et de les accompagner au point de vue technique, même administratif. Et pour cela, je remercie l'UFOLEP Martinique qui va offrir la possibilité justement à toutes ces associations en réalisant avec moi un stage au mois d'octobre, un stage d'initiation qui aura lieu pendant 5 jours. Donc c'est l'UFOLEP Martinique qui va offrir à ces jeunes et à ces futurs animateurs ou des animateurs qui demandent de la perfection de pouvoir relancer cette pratique tous ensemble. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le twirling bâton était en arrêt ? On peut le dire ainsi, oui. Parce que je me rappelle que cette discipline était partie en métropole disputer de grosses compétitions. Tout à fait. Il y a quelques années, alors je dirais... Bien 8 à 10 ans, le twirling et bâton était très représenté à l'UFOLEP en Martinique, effectivement. Et il y avait beaucoup d'équipes et beaucoup de jeunes qui allaient en métropole pour assister au championnat national. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui fait que cette discipline, on ne nous en parle plus? Pourquoi cet arrêt? C'est à cause du Covid ou autre chose? Je pense un petit peu avant le Covid. Le Covid n'a pas fait du bien non plus, mais... je pense qu'il y avait aussi beaucoup de besoins et d'attentes venant de la métropole et je profite justement que je sois venue vivre en Martinique pour réaliser ma passion et proposer justement de l'accompagnement sur cette activité sur laquelle je tiens et j'ai envie de faire revivre. Alors, qu'est-ce que vous allez proposer concrètement pour relancer cette discipline? Alors, concrètement, la première étape, c'est donc ce stage qu'offre l'UFOLEP Martinique pour le plan de relance. Et moi, comme je le disais, accompagner toutes ces associations en me déplaçant, en faisant connaissance avec eux, en leur demandant leurs besoins, leurs attentes. Et puis les suivre et puis créer des formations. On a déjà projeté de faire plusieurs rassemblements. On a fait un calendrier avec 2 rassemblements, un championnat départemental, puisque même si l'UFOLEP reste un temps de partage et de convivialité, on a aussi un temps de compétition. Et puis, en fonction des attentes et des besoins de chacun, on s'adaptera à effectuer des stages et des formations. Oui, alors on entend quand même tout ce que vous racontez. Il y a quand même eu un club en Martinique qui avait dignement représenté le twirling bâton martiniquais. Je pensais à Émergence Foyale, qui avait emmené plusieurs compétiteurs en championnat de France et qui ont honorablement représenté la Martinique. Bon, est-ce à dire que Émergence Foyale était l'arbre qui cachait la forêt ou bien il y a des choses... qui sont structurellement plus compliqués au niveau du twirling bâton en Martinique? Après, sur le territoire, il y a beaucoup de difficultés pour développer cette discipline parce qu'il faut les bâtiments, en fait, les locaux pour pouvoir pratiquer. Et c'est justement, ces infrastructures sont déjà prises par d'autres activités. Donc, il est quand même compliqué de trouver les créneaux, de trouver l'espace pour pouvoir vraiment faire rayonner l'activité. Donc il y a tout un travail d'organisation au niveau des plannings à réaliser, un travail de partenariat aussi avec les municipalités, les clubs, pour pouvoir développer justement cette activité. Alors, combien de clubs qu'il y avait en Martinique de twirling bâton? À l'UFOLEP, il y avait 10 de clubs. Sur la période 2013-2016. Donc, c'était vraiment une activité florissante avec des champions, notamment avec le club d'Émergence. Il y avait d'autres clubs. Aussi, on avait des clubs de majorette. Donc, mais après Covid, c'est vrai qu'on a eu une baisse de l'activité, d'où le plan de relance pour pouvoir vraiment rendre accessible aussi au niveau du coût, parce que nos tarifs aussi seront plus accessibles pour redynamiser cette discipline.
Donc qu'est-ce qui vous manque pour lancer cette discipline? Si vous êtes là ce soir, c'est pour lancer un cri d'appel, quoi, pour que cette discipline puisse retrouver son... Donc là, notre objectif, c'est de faire passer, en fait, l'information, par, bien sûr, les médias, aussi par nos... On a deux réseaux sociaux. On a notre compte Facebook et puis notre Instagram. Vous pouvez y aller, en fait, pour... Vous pouvez le donner, hein. C'est ça. Ben, c'est UFLEP Martinique, et notre Instagram aussi UFLEP 972. Et du coup, on aura deux flyers pour annoncer l'événement. Et aussi, on compte beaucoup sur notre stage, parce qu'il sera gratuit, en fait, pour les licenciés UFLEP. On aura une petite contrepartie pour les non-licenciés. Mais sachez que ce stage sera ouvert pour les participants qui ont 8 ans. À partir de 8 ans, en fait, on peut accéder à cette formation. Et aussi pour les non-initiés. Alors, ça va se dérouler quand, où, comment? Donc, c'est un stage qui est prévu du 24 au 29 octobre. Où? Donc, le lieu, c'est à préciser. Donc, on y travaille, en fait, pour le lieu, pour bloquer le créneau, mais c'est quasi sûr que ce stage aura lieu. D'accord. Donc, c'est ouvert à tout le monde. C'est ça. Donc, les anciens clubs qui faisaient déjà du jeune bateau. Oui, c'est le moment de se relancer, en fait. Il y a un numéro de téléphone où on peut vous joindre. C'est ça. Donc, c'est le 05 96 63 05 01. Alors, le tenue bateau, Madame Vincent, comment vous allez relancer? Est-ce que vous allez, à part le stage, est-ce que vous irez dans les communes pour pouvoir relancer cette discipline? Oui, tout à fait. C'est mon objectif que j'avais proposé à Ezéguiel et toute l'équipe de l'UFOLEP Martinique de me déplacer justement dans les communes, dans les associations et les accompagner et leur dire que voilà, le plan de relance est là, les choses sont fondées aujourd'hui, on a bien structuré la chose. Vous aviez une question, pardon. Oui, alors j'imagine que bon, tout ce plan doit être basé sur une expérience que vous avez développée hors de Martinique, France. Donc, est-ce que vous pouvez parler d'expériences que vous avez pu mener de façon concluante avant de venir en Martinique? Ben, d'avoir effectué ce genre de stage d'initiation déjà dans un premier temps, et le fait d'accompagner les clubs et d'être toujours présent avec eux, leur montrer qu'ils sont soutenus, c'est très important. Donc, voir aussi qu'il y a des rassemblements de prévus et puis qu'après, ça peut amener aux championnats départementaux, amener les jeunes, justement, et organiser des brevets fédéraux d'officiels, hein, pour les inciter, justement, à devenir juges de ces manifestations et bénévoles de ces rassemblements. De mon expérience, oui, je suis à l'UFOLEP depuis plus de 30 ans, investie bénévolement au sein du Twirling Bâton en tant qu'animatrice dans un premier temps, je suis officielle et formatrice aujourd'hui. Donc je sais que voilà, que ce soit en métropole ou dans les dom-toms, on est dans le besoin de stages, de formation, et sans cela on n'arrivera pas à développer les activités. Alors, est-ce qu'à l'issue de ce stage, de cette formation, vous allez relancer un championnat? Oui, tout à fait. On a en projet de faire le championnat départemental. Alors, en prévision au mois d'avril, hein, ça reste à définir. Mais oui, on a déjà projeté cela. D'accord. Bon. Merci beaucoup d'être venu parler de cette discipline. Si vous avez autre chose à ajouter, allez-y. Donc, du coup, oui, pour info, nous avons aussi le 8 octobre, la rentrée de l'UFOLEP. Donc, ça sera sur la place Clarissa à Sainte-Marie. Donc, on invite en fait la population justement à se déplacer pour connaître encore plus l'UFOLEP, nos activités. Et il y aura aussi plusieurs groupes de majorettes, il y aura de l'animation, des jeux gonflables. On aura aussi un groupe à pied. Donc, on va tout faire pour animer en tout cas le territoire. Donc, et puis après, concernant le calendrier, donc il y a le stage prévu en octobre. Donc, on attend beaucoup d'inscriptions, on l'espère. En décembre, on a prévu aussi un premier rassemblement. Et par la suite, un recyclage, on espère, courant. Un deuxième rassemblement en février.
C'est ça, le deuxième, rassemblement en février. En mars, recyclage. Donc, pour les éducateurs, animateurs aussi. Officiels aussi. Et puis la compétition pour avril. Je crois que tous les téléspectateurs vous ont entendu et qu'ils font le déplacement pour ce stage et que cette discipline puisse se relancer. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous de nous avoir reçus. Merci. Turning Baton, nous recevons le futsal avec comme invité Adrien Goumois, un arbitre fédéral futsal. Bonsoir. Bonsoir. Mmh. Et Fabrice Joblon, un arbitre départemental. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Mmh. Alors, quel est le but de votre visite ici, Goumois? Eh bien, du coup, le but de ma visite, c'est de venir faire un stage de perfectionnement pour les arbitres de futsal. Donc, dans le but d'élever leur niveau, donc d'accentuer sur des situations importantes qui peuvent être rencontrées lors de leur match de futsal et d'échanger au maximum avec eux pour qu'ils performent. Alors, c'est vrai que j'ai suivi le futsal depuis le début et j'ai remarqué que les arbitres avaient du mal
ça se fait en tant que par les joueurs. Est-ce que là aussi vous allez intervenir à ce niveau ? Alors dans la formation qui est prévue, il y a plusieurs modules qui ont été mis en rapport avec la commission régionale d'arbitrage, dont un module terrain et du coup anticipation des actions ou des déplacements, et peut-être qu'il y aura également des exercices sur la communication que les arbitres peuvent adapter auprès des éducateurs et auprès des joueurs derrière. Oui. Alors, justement, quels sont les problèmes spécifiques que rencontre un arbitre lors d'un match de futsal, des problèmes qui n'arrivent pas forcément sur un match de football à 11? Le respect des horaires, pour commencer. Le respect des horaires. Maintenant, il arrive assez souvent qu'on ait des soucis de FMI qui retardent les matchs. Étant donné que nous avons assez souvent des plateaux, et lorsqu'on parle de plateau, ce qui veut dire plusieurs matchs sur le même terrain. Et dès qu'il y a un décalage au départ, le dernier match peut avoir peut-être une heure de décalage. Ça, c'est déjà le premier problème. Ensuite, le respect des horaires que les clubs doivent comprendre et qu'on met en place cette année, qui sont encore plus stricts. Et par la suite, la connaissance des lois, des règles du jeu, que ce soit au niveau des clubs ou des joueurs, mais aussi que les arbitres doivent mettre aussi en pratique, pas non seulement dans le cahier, mais sur le terrain. Alors, combien d'arbitres qui sont en Martinique ? Est-ce que tous les arbitres sont bien formés ? Alors, c'est le pourquoi de la venue d'Adrien. C'est pour que tout le monde puisse évoluer au même niveau, avoir la même compréhension de l'arbitrage, pour qu'on puisse évoluer en binôme. Ce n'est pas un arbitrage unique. On sait que ce sont des binômes, voire... Le futsal, c'est deux arbitres, normalement. C'est deux arbitres. On va même pas dire deux arbitres, on va dire un trio arbitral. Et le trio, il faut qu'il soit vraiment symbiose. Oui. Une question aussi qui me vient à l'esprit. Lorsqu'on arbitre un match de futsal, est-ce que les arbitres de futsal arbitrent aussi à 11? Alors la majorité des arbitres que nous avons ici en Martinique sont à 99%. Arbitre foot 11 et futsal. Ok. Est-ce qu'il y a aussi, donc, tout comme certains responsables de club se plaignaient donc, du fait qu'un joueur pouvait jouer à 11, qui jouait à 11 n'était pas forcément disponible pour le futsal et inversement, est-ce qu'il y a aussi des problèmes de disponibilité à votre niveau ? Il y a ce problème de disponibilité. On sait très bien qu'il y a des clubs qui refusent que leurs joueurs participent au futsal. Il y a des clubs futsal qui souhaitent avoir leurs joueurs justement pour pouvoir avoir la pleine attitude à disputer les rencontres phares pour qu'ils puissent se trouver dans le carré magique à la fin du championnat. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un championnat apporte à l'autre. Il n'y a aucun qui retire. Au contraire, le futsal, on sait que ça apporte de la vivacité, on sait que ça apporte de la technicité ainsi que la vitesse d'exécution. Alors, on sait qu'en Martinique, c'était difficile pour les arbitres d'arbitrer en futsal. Est-ce qu'en métropole, c'est pareil ? Ça rencontre-t-il les mêmes problèmes ? En métropole, je pense qu'on rencontre des problèmes peut-être identiques ou différents, mais on rencontre également certains problèmes du fait de la complexité des lieux des rencontres. Sur un terrain, on est en plein air, on est à l'extérieur. Généralement, les terrains sont suffisamment sécurisés avec une main courante. Et c'est plutôt sécurisant pour l'ensemble des acteurs de la rencontre. Au futsal, on est dans un complexe qui est généralement fermé, où les tribunes sont assez proches du terrain. Et on dit que les gymnases ou les halls sont couverts, donc ça résonne aussi un peu plus.
où les insultes sont peut-être plus audibles, où du fait de la proximité des spectateurs, les gestes provocateurs sont peut-être plus visibles. Et du coup, forcément, il peut y avoir un petit peu plus de difficultés sur les rencontres derrière. Mais je pense que si l'ensemble des acteurs et l'ensemble des spectateurs se tiennent correctement, c'est une grande fête pour le futsal et pour le football derrière. Parce que comme disait Fabrice, le futsal est rapide et technique, il y a beaucoup plus de buts. Donc je pense que c'est un sport qui est spectaculaire et qui va avec le football derrière. Est-ce que le fait d'avoir un orchestre dans le gymnase peut poser problème ? Alors hier, j'ai eu la chance d'être sur le match de la sélection. J'ai découvert du coup l'orchestre qui était en plein air. J'ai déjà vu énormément de bruit, le bruit que ça pouvait faire. Donc ça amène de la festivité, mais je pense que ça amène également énormément de bruit. Alors j'ose imaginer le bruit dans un hall ou dans un gymnase qui est fermé et le raisonnement que ça peut causer. Je pense qu'il... Pour ma part, je pense qu'en encourageant avec des chants ou avec des paroles, c'est aussi bien qu'avec des instruments de musique qui font énormément de bruit. Vous avez parlé du match La Martinique contre le Curaçao. Qu'est-ce que vous pensez de l'arbitrage de ce match ? Alors, j'ai été déjà agréablement surpris par le niveau des deux équipes. C'était un match vraiment plein d'engagement. Et après, pour mes confrères arbitres, j'ai été agréablement surpris. Très bonne prestation de leur part, avec des conditions climatiques qui n'étaient pas vraiment évidentes. Alors après, peut-être qu'ils ont plus l'habitude que moi de supporter le climat des Caraïbes. Mais en tout cas, une grosse intensité sur toute la rencontre et des actions importantes qui ont été, je pense, bien jugées. Des situations de pénalty qui ont été claires et évidentes avec un pénalty sifflé en faveur de la Martinique. Et puis après, une échauffourée, donc j'étais assez loin de l'action en tribune. Mais je pense que sur cette échauffourée-là, il n'y a pas de discussion à avoir sur une bagarre un peu générale de sanctionner les deux équipes. Je pense que c'était la décision à prendre et je pense que la fin du match lui a également donné raison. Alors, vous êtes venu pour animer un stage ici. Alors, ça va se dérouler quand, où, comment ? Alors, c'est une formation donc, qui est dédiée aux arbitres de futsal. Elle a lieu tous les soirs au siège de la Ligue de Martinique. Elle a lieu entre 18h30 et jusqu'à 21h30. Donc, pendant cette formation-là, on va étudier les lois du jeu, des spécificités du futsal. Et il y aura également des modules sur le terrain. Et à la fin de cette petite formation, il y aura un examen qui sera proposé aux arbitres afin de pouvoir les classer, de tirer les meilleurs arbitres et voir s'ils ont retenu les leçons et les sujets qui ont été abordés durant les 4 premiers jours. Donc ils seront classés, ils ont leur diplôme d'arbitre de futsal. Alors ce sont déjà des arbitres qui sont déjà opérationnels sur le terrain. Et en fait, c'est une formation de perfectionnement. Ce n'est pas une formation initiale pour qu'ils deviennent arbitres. C'est vraiment pour les perfectionner. Et dans le sein de cet perfectionnement, il y aura une petite évaluation qui sera menée durant ce stage. Fabien, est-ce que ces arbitres sont des arbitres confirmés futsal ou ce sont des arbitres de football? Alors, tout le monde peut participer à cette formation, d'accord? Même ceux qui ne sont pas encore arbitres et qui souhaitent l'être, qui vont participer à un stage d'initiation d'arbitre futsal au mois d'octobre. Mais ça leur permet déjà d'avoir une certaine avance pour pouvoir continuer à se performer. Ça, c'est le premier point. Oui, c'est une formation de perfectionnement qui mettra un haut niveau concernant notre arbitrage, comme Adrien a dit, pour pouvoir faire un classement que la CRA aura en main pour l'utilité lorsqu'ils en auront besoin. Alors, est-ce qu'on va retrouver aussi des arbitres femmes ? Il y a des arbitres femmes. Nous avons des arbitres femmes, elles sont nombre de 3. Et qui sont normalement invités et ont répondu présent pour être à cette formation. Alors, est-ce que parmi dans cette formation, on va aussi des joueurs qui voudront faire cette formation d'arbitre ? Oui, il y a des joueurs qui veulent se perfectionner ou des cadres ou des dirigeants qui veulent se perfectionner par rapport à leur club. Nous avons également une délégation de la Guadeloupe
présente au nombre de 5 qui feront partie de cette formation, sachant que ce soir démarre la formation des observateurs qui vont noter les arbitres futsal durant le championnat cette année, qu'on avait demandé pour pouvoir avoir justement ce côté comme le foot 11, d'avoir des arbitres mais qui sont notés pour pouvoir avoir un classement par la suite par rapport aux difficultés des matchs qu'il y aura à arbitrer dans le futur. Le futsal va commencer quand, le championnat ? Le futsal va démarrer à la fin du mois de septembre, le 29, avec le trophée des champions concernant la relève lamantinoise et le club de Floréal. Adrien Kouma, est-ce que vous connaissez le futsal martiniquais ? Pour moi, c'est la première fois du coup en Martinique. J'ai eu la chance de rencontrer Fabrice l'année dernière sur les finales de la Coupe de Guyane. Donc c'est là où on s'est rencontrés. Donc j'ai déjà eu l'occasion de venir dans les dom-tom, mais c'était la première fois pour moi en Martinique. Donc je connais pas du tout ni le niveau des joueurs ni le niveau des arbitres. Donc on va s'adapter à ce qu'on va rencontrer sur place. Je pense que au vu des échanges qu'on a déjà eu avec Fabrice, le niveau est déjà très bon. Donc c'est un stage de perfectionnement qu'on va mettre en place pour les évoluer vers le très haut niveau derrière et pour éviter tout souci sur les matchs. Et comme disait Fabrice également, les clubs sont les bienvenus. Alors pas toute la délégation du club, mais au moins un représentant qui puisse venir. Parce que en fait, quand on joue à un sport, le meilleur accessite, c'est de connaître ses règles. Et du coup, quoi de mieux que de venir avec les arbitres pour apprendre à connaître les arbitres et à connaître ceux qui jugent ce sport-là. C'est vrai que le très bon joueur de futsal ici en Martinique, dans les clubs, c'est vraiment dommage que vous ne soyez pas là pour... D'ailleurs, il y a un joueur qui vient de Martinique qui évolue en première division, Cédric Degrasse, exactement, qui joue au Kingersheim FC, donc j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer sur ma saison passée, donc il y a un très bon joueur, et du coup, je savais qu'il était martiniquais, donc c'est le petit clin d'œil de l'émission de ce soir. Oui, une question d'ordre un petit peu technique. Comment le futsal se déroule en salle, par exemple, est-ce qu'une obstruction est sifflée en futsal de la même façon qu'elle est sifflée à 11 ou alors elle n'est pas sifflée? Alors on a les spécificités du futsal, donc le futsal est un petit peu différent du football. On a la notion des fautes cumulées qui rentrent en jeu. Et du coup, il est un petit peu plus compliqué pour l'arbitre de siffler ce qu'on appelle un peu les micro-fautes ou les micro-contacts, parce que chaque faute est un avantage pour l'autre équipe, avec la notion de coup franc sans mur à 10 mètres qui peut être mise en place. Donc après, une question d'obstruction, je pense que c'est une question d'interprétation de l'arbitre. Est-ce qu'il y a un réel contact? Est-ce qu'il y a une amplification de la part de la victime? Là on n'a pas de situation de vidéo à présenter, je pense que c'est à l'interprétation de l'arbitre, mais c'est un petit peu deux disciplines différentes, donc il y a deux interprétations différentes pour tout ce qui est bloc ou alors interférence au niveau du jeu. Je crois qu'on a fait le tour, sauf si vous avez autre chose à ajouter. Merci à vous pour l'accueil. Merci beaucoup, et puis on espère que pendant le stage ZoukTV sera là pour filmer vos interventions et que l'on fasse passer ça aux téléspectateurs. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Vous restez là, vous ne bougez pas. On continue, nous, avec le résultat de la première journée des Major Hunt. Oui, donc on va commencer par les dames. Donc, première journée pré-nationale dames. Donc, l'UEG Giroudoud a été défaite à domicile par l'entente MEG 24-16. Le CS franciscain a été aussi battu à domicile par le club Tour 23-21. Donc, sanction pour l'AC Ducos battu par le Réveil Sportif à domicile 32-22. L'entente Citron-Tivoli s'est imposée contre le Sporting Club Lamantinois 25-21. Et l'Arsenal, le champion en titre et notre club phare, a archi dominé l'Étoile de Gondo 36-8.
le match entre les Glons et le Handball Club Pilotin ne s'est pas déroulé. Ce qui donne au classement donc en tête l'entente MEG avec 3 points, en compagnie de l'entente Citron Trivoli et du Club Sport. Quatrième, le Réveil Sportif avec 1 point, en compagnie de l'AS et du COS et du Sporting Club Lamantinois. L'Étoile de Gondo est 7e avec moins 1 point. Donc la comptabilité négative, je pense qu'il y aura quelques éclaircissements à apporter ultérieurement. Donc 8e, donc l'Arsenal avec moins 3 points en compagnie du TS Franciscain et de l'UG Redoute. Le Handball Club Pilotin et les Glons ferment la marche avec moins 4 points. Les équipes qui ont moins de points, les moins 3, moins 2, moins 3, ce sont des équipes qui n'ont pas répondu aux exigences de la Ligue. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas présenté de jeunes, d'entraîneurs, d'arbitres. Donc, ils ont perdu des points. Ah, donc c'est bon cela, mon Dieu. Si on avait appliqué cette chose-là au basket, ça aurait été encore un sujet de polémique. On ne va surtout pas développer. Donc, nous allons continuer avec les hommes. Donc l'entente, donc Club Pélé-1 Carbi a été battu à domicile par le Foyer Ouvrage de Roche-Carrée, le finaliste, le vainqueur surprise de la Coupe de Martinique il y a quelques temps de ça, ce score de 35-21. Le Giredoute a largement dominé la Gauloise 31-15. L'entente Radkick Club de Carabin a été largement dominée à domicile par l'Étoile de Gondo 41-8. L'Espoir de Louvréal a été battu aussi par le Club Sport à domicile sur le score de 35-24. Même sanction aussi pour l'ASC Ducos, battu à domicile par le Réveil Sportif du Gros Monde 29-27. Et enfin, l'USC Citron s'est imposé contre le Sporting Club Lamantin. 10 mois, pardon, sur le score de 35-18. Donc là encore, dans le classement, on aura des décomptes négatifs suite à ce qui a été dit. Donc l'USC Citron est en tête en compagnie du Club Sport avec 3 points. Le Giredoute est 3e avec 1 point en compagnie du Foyer Rural de Roche-Carrée, du Réveil Sportif, de l'ASC Ducos, de l'entente Club Pélé-1 Carbé, de la Gauloise et de l'Étoile de Gondo. Donc le Sporting Club Lamantinois est 10e avec moins 1 point et ferme la marche. L'Espoir de Floréal et l'entente Rapide Club Étoile de Carabin, donc avec moins 3 points. Donc là encore, pas des sanctions pour non-respect exigences de la Ligue. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Sauf si vous avez des informations sur le basket. Bon, pour l'instant, les choses sont encore un petit peu en sommeil. On aurait plutôt envie de parler pour une fois de football, avec une équipe de France Espoir qui, sous le commandement de Thierry Henry, est en train de faire des étincelles, et également avec un meneur de jeu martiniquais, Monsieur Zahir Emery, qui semble-t-il est en passe de devenir un très 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 grand joueur. Et puis la victoire de l'équipe de France, qui s'est qualifiée pour les demi-finales du championnat d'Europe. Du championnat d'Europe de volley. En battant la Roumanie, 3-7-0. Oui. Et là, une équipe de France qui, apparemment, dont on a un petit peu douté en phase de poule, mais qui, depuis qu'ils sont rentrés dans la phase finale, est en train d'écraser tout le monde. Donc, parce que c'est la deuxième fois d'affilée qui s'impose 3-7-0. C'était déjà imposé 3-7-0 contre la Bulgarie. Et avec Erwin Ngapet qui semble-t-il revient en forme juste au bon moment. Merci Philippe. Merci aux téléspectateurs de nous avoir regardés. Merci à Manuela et à Grégory pour avoir réalisé cette émission pour nous. Sportez-vous bien et prenez soin de vous.